6h15. Le café pour l'énergie et à charger chier. Je charge la voiture. Ça c'est prêt. Maintenant, charger chier. Côte de temps par contre. Oh là là, je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais. Oh le temps qu'on a nous. Pluie et vent. On fait avec. 7h54. Tout est chargé, tout est prêt. Le jour commence à se lever. Allez. C'est parti, une demi-heure quand même ça a pris pour charger les chiens dans la nuit et je suis déjà trempé. Bon, j'ai amené trois affaires de rechange, mais bon, je vais pas me changer parce que je sais ce que ça va se passer. Je vais être trempé et je resterai trempé toute la journée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, regardez ce qu'il y a devant. Sans que je rentre dedans, le C15 relais. Bon allez, sur ce, ça c'est signe que ça va être une journée extraordinaire. Air m'a mouillé. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Donc, là, je viens de poser un collègue avec un chien pour faire quelques coupées. Et là, je vais aller faire une autre coupée. Moi, je vais aller regarder goût droit à la caméra. Avec ce temps, si t'as pas un chien sûr, c'est très très compliqué à voir. À l'œil, c'est impossible. Voilà, et ça guille avec ce temps-là, il fouille pas trop. Ça va dans les endroits du sable où l'eau s'infiltre. Et nous, on a notre région, donc notre territoire, un gros forêt à côté. Là, c'est fouillé la nuit, ça. Ah oui, là, c'est fouillé la nuit, là. J'avais pas vu en passant tout à l'heure. Vous avez vu, là? En direct, c'est bon, ça. Bon, là, il y aura une attaque. Faut que je le dise. Ouais, ils ont que l'argile. Donc tous les sangliers de là-bas, ils partent de là-bas parce que l'argile est trempée d'eau et ça bien sûr ça garde l'eau. Et ils viennent dans nos régions où il y a plus de sable. Et donc voilà, chaque fois qu'il pleut fort comme ça, normalement on a du sanglier. Mais après c'est pour les retrouver, et trouver les traces, c'est pas facile. Donc voilà, c'est tout un travail. Ok, allez, je vais aller faire notre coupé, je refilme tout ça. À de suite. Allez, on va faire quelques coupées. Allez, la petite perle. J'ai perdu ma longe, je sais pas où. Donc, je suis obligé de faire avec. Donc là, il faut vraiment regarder dans les endroits sales, sales, sales. Ici, vous voyez, les fougères tombent maintenant. Donc, on va pouvoir voir demain, ça c'est bon. Mais bon, tu pars, ils vont pas être dans le dent. Là, l'autre côté, c'est très sale. Mais c'est pas chez nous. Et en face, là, sur la butte, il y a un passage. Tous les cochons, ils sautent là. Donc, s'il y en a qui sont circulés la nuit, on va vite le voir avec le chien. Alors, je vais continuer la piste, puis il y a une voiture qui m'attend au bout. Et puis, il va me ramener à la voiture. Allez, viens, ma fille. Allez, à de suite. Pied bon, mon gros. Allez, bien. Qu'est-ce que c'est? Bon, le coup est fini, le pied est fini. On a deux attaques extra. Le chien avant d'arriver au goudron, il est vanté, plein gueule, plein nez. Donc c'est bon. Yes, c'est bon. Avec ce temps-là, pour trouver un pied, c'est pas facile. Mais le chien, encore une fois, il me fait bander. Ils sont pas loin. Pour moi, ils sont vraiment pas loin. Donc j'espère montrer l'action. Allez, tout à l'heure. Sema, Toto, Sema. Ah, il va où? 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 Oui. Sema. Ouais, il faut trouver le sens. Là, pas trop. On prend un pied compliqué. Ça avance, ça devient de plus en plus chaud. Donc là, impeccable. Un coup, les chiens, ils mettent un coup d'accélération. Alors je gueule, c'est levé. Putain, j'arrive, il n'y avait rien. Quoi. Il n'y avait pas de fourré, rien du tout. Alors, tous les chiens, ils ont sauté une ligne. Et personne n'a vu depuis son posté. Et il n'y a pas de pied. Après, voilà, il y a des jeunes dessus. Mais la moitié des chiens, c'est des vieux, ils déconnent pas dessus. On serait sur le pied encore, mais ça prend bien, quoi, ça prend bien fort. Là, j'ai pris un peu de retard en venant chercher la voiture.
Donc on va essayer de rattraper ça. Allez, ligne. Vous avez vu, c'est joli là où je chasse. Et tout à fait au fond, il y avait un gars de posté, donc il n'a rien vu. Donc, peut-être un écureuil. Allez, à chasser l'écureuil. On se croirait en Chine. Bon, bref, plus sérieusement, pour l'instant, cette journée devient très compliquée. Très compliquée, les limites. On fait n'importe quoi. Les chiens, deux fois maintenant, ils déconnent. Bon, les, on va dire les chiens moyens, donc les chiens de M. Ils ont déconné sur les chèvres. Voilà, deux fois maintenant. Et cette fois-ci, si ça a sauté devant moi, j'ai pu les arrêter, les corriger. Mais le temps, ça vaut rien, les voies sont compliquées. Donc, le premier truc qui leur pète au nez, ils mènent dessus là. Mais là, ils ont repris un pied plein pot. Ils sont partis loin. Alors, moi, j'ai voulu rentrer dans les ronces. Anticiper si jamais ça venait dans les ronces pour protéger les chiens. Parce qu'on partait sur un gros pied. Mais là, maintenant, je me retrouve en retard. Bien en retard. Yep. Tu te payes et tu te fais beau. Et là en bas. Pareil. J'attends qu'on ait 5 dix, moi. Hein. Moi aussi. Comment tu veux que je les loupe? Ah oui. Il y en a des milliers de mètres. Les chiens sont sur la piste. Les chiens sont sur la piste. Dans les bois, courons vite. Dans les bois, courons vite. Le chevreuil est lancé à travers la futaie, franchissant les montagnes, à travers les sentiers, à travers les campagnes, à travers les vallons. Les forêts sont à nous, il y a du plaisir chez nous. Les forêts sont à nous, il y a du plaisir chez nous. Chasseurs, voici l'aurore, déjà le corps a retentir, l'horizon se colore. Amis, il nous faut partir, voici le jour, le soleil dort, du haut des vallons. Amis, nous irons, du haut des vallons. Amis, nous irons, du haut des vallons. Alors les amis, partis, partons. Alors les amis, partis, partons. La 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 la. Alors distribue. On attaque en pied, 15h, sous la flotte. On voit bien ce que ça donne. Compliqué, très compliqué. Les ballons qui partent, je vais pouvoir baigner quoi. Mon collègue, il a les chiens bien plus chauds que moi, bien, on va dire, meilleur que moi. Il n'y a pas à se le cacher.
Et ils prennent, mais bon, compliqué quand même. On les entend ? On les entend pas. Je me fous par là, comme ça, s'il dit au talkick, c'est bon. Je suis pas loin de là où je peux lâcher, si on les entend chier. Ça boit pas mal quand même. Pour moi, ils sont dedans. J'avais tous les traces autour ce matin. Ils sont là, les sangliers. Et là, à mon doigt, on lève tout le temps là. Tout le temps. J'espère mener, putain, je l'entends mener. J'ai 15 chiens aujourd'hui là qui veulent que ça. J'espère, mais j'espère, putain, j'espère. Allez, on croise les doigts. Je vous dis tout. Je vous dis la vérité, je vous dis tout. Aujourd'hui, je sais pas quelle date on est, une journée de merde. Une journée comme celle-ci, rare, heureusement, sont-elles aussi merdiques. Après le temps, c'est sûr, s'y prête pas, on est d'accord. Alors, tous les chiens, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont tendus, mais ils sont tendus à 100%, ils se battent dans tous les sens, normalement, ils se battent jamais, ils sont fous, malades. Et je n'ai pas pu les lâcher de la journée, donc depuis 8h ce matin, il est 16h. Je les trimballe en voiture. Alors ça m'intéresse pas. Donc là je suis en train de prendre la route du retour. Et je vais le mettre au chenier. Voilà. Je vais quand même aller faire un dernier endroit. Soit disant les sangliers seraient dans un petit roncier. C'est un ancien qui me l'a dit, je vais aller voir un peu. Mais une journée comme celle-ci là, oh là là, horrible. Horrible. Bon après c'est normal vu le temps, mais tous les chiens tendus, ils se battent, Pop. C'est comme ça, mais il y a des journées, faut pas que je cherche plus loin. Il est presque nuit, je pose les chiens, je leur donne à bouffer, voilà. Et demain on reprend tout ça à zéro. Vous avez vu les prés un peu. Voilà, il est saigné partout. Aujourd'hui, pas capable d'en enlever. Hein. Après, c'est vrai que là, la flotte ci et ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà. Je vous dis tout. Aujourd'hui, il n'y a pas eu l'action. On n'a pas pu voir grand chose. Voilà, il y a des journées comme ça. Allez les gars, soit à tout à l'heure en train de filmer un roncier en disant les cochons sont dedans, ou sinon à demain dimanche. La bise au chien. Ciao. Bon, dimanche matin, 9h30, nouvelle journée. On recommence, mais les pendules à l'heure, on remet des. Les pendules à zéro. Et puis on attaque une nouvelle journée de chasse. Ce qui est beau avec la chasse, c'est que chaque jour ne se ressemble pas. Donc aujourd'hui, voilà. C'est une nouvelle journée. Il fait beau, contrairement à hier. Très très beau. On a déjà 2-3 attaques, donc c'est une bonne chose. Et on va essayer de faire une belle chasse et se régaler quoi. Et essayer de ne pas faire les conneries qu'on a pu faire hier en menant des chèvres toute la journée. Eh oui, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Ça va ? Oui, là aussi. Salut, Thomas. La maison des Valariens n'a pas. Salut. Salut. Et là-haut. T'es là, toi ? Eh oui, je te dis, allez, je vais venir. Je vais venir, les jeunes. Magnifique. On a quelques traces, mais finalement moins bonnes que je le pensais. On a une traie avec des tout petits, tout rayés, donc ça on peut pas l'attaquer. Un autre mâle qui part chez les voisins direct. Et une attaque, on va aller sur une attaque avec quelques phonies au bord de route. Une petite route, donc on va voir ce que ça fait. Mais finalement, moins d'attaques que je le pensais. Après, je vous cache pas, ce matin j'ai fait qu'un endroit sur le pied, j'ai pas tout fait. Ah, j'étais un peu pour l'heure ce matin, donc entre midi et deux, pas de repas pour moi. On fait d'autres pieds et puis on trouve des bonnes attaques. En tout cas, les chiens, ils sont chauds, le soleil est sorti. Ça, c'est une belle journée de chasse. Du moins, j'espère que ça sera une belle journée de chasse. Allez, on se tient au jus.
Allez, on revient. Allez, monte. Allez, go. Un, deux. Allez. Voilà. Bon, le pied, hyper compliqué. On va attaquer autre chose. Bon, le pied très très compliqué, là on attaque à côté d'un parc, donc c'est un parc où il y a des sangliers dedans, et c'est souvent que les mâles ils viennent autour et puis voilà, ils fournissent et puis ils s'en vont. Donc là on a mis un seul chien et bon, on voit très compliqué, donc pour moi c'est le début de nuit. On va aller faire un autre pied, on va avoir une autre attaque. Bon, alors quelqu'un aurait vu un cerf. Elle n'a pas pu le tirer et il sait exactement l'emplacement. Le problème, il ne nous a pas dit sur le coup. Du coup, là, on va attaquer le cerf une heure après, quoi. Donc, on va voir si les chiens ils prennent ou pas. S'ils prennent, c'est bon. On va voir. Voilà. On va voir. On va mettre deux jeunes. On va voir ce qu'il faut. Allez. Maintenant, elle la voit dans le nez. Donc là, on voit bien le trace du cerf. Maintenant que ça frotte un peu, c'est meilleur. Mais bon, il est passé il y a une heure et demie sur pied. Donc, c'est pas facile quoi, mais les exercices comme ça, c'est une bonne apprentissage pour le chien quoi. On voit bien la trace. On voit bien, ça marque bien. Donc il aurait pu marcher tout droit et ne pas s'arrêter. Ça c'est très possible. Comme il peut se caler dans n'importe quoi. Bon, il faut que je suive la chienne de près. Si jamais elle déconne sur une chèvre ou quoi, je vais assurer de près. Donc là, j'ai pas de traces. Donc il faut que je fasse attention. Là, elle va aboyer. Je regarde. Je vois rien. Je regarde. Là. 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 Là, c'est lui. Oui, oui. Oui, oui. Là, 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 perle, là. Là, 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 tu vois. Oui, oui, oui. Et où? Oui, oui, là, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Là, là. Oui, tu vois. Et où? Et où? Il est fillé. Il est où? Il est où? Oui. Oui. Là, oui, là. Là, oui, là. Il est. Ouais. Ouais, ouais, il est là, le cerf. Oui, oui, là, c'est sûr que c'est ça. Il est là. Oui. Oui, père, oui. 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 Mais bon, hyper compliqué. Alors, avance, oui, oui. Je vais là. 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 Normalement, il sort sur toi, là. Bon, petite mise à jour. Donc, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on a essayé de rapprocher un cerf. Oh, là, c'est fouillé, là. T'es. Je suis en train de passer. Bord de route. Et c'est fouillé. On va voir si c'est de la nuit. Hier, je crois pas que ça y était. Hop là. C'est ce que j'ai eu là. Ah, c'est vieux, je crois. Ah. Ouais, ouais, c'est vieux. Et donc sur le cerf, ouais, elle a bien travaillé, mais après, c'est devenu trop compliqué. Et elle a commencé à déraper sur chevreuil. Voilà, rien dire. Donc j'ai arrêté, j'ai pris la décision d'arrêter parce que ça ne servait à rien d'insister sur des choses compliquées. Et là maintenant, je brale partout sur notre territoire pour essayer de trouver des nouvelles attaques. Allez, on ne mange pas, il est midi et demi, on ne va pas le manger. On va faire une petite orange.
On va essayer de trouver quelque chose quand même. Sinon, je vais devenir fou, quoi. Si, c'est clair. Si aujourd'hui... Bon, journée de chasse terminée. 17h30. On n'a rien fait la journée. Voilà. On a fait un petit rapproché ce matin. Deux, trois rapprochés. Ah, mais bon, des voies difficiles où c'était chez les voisins. Il y avait rien de bon, quoi. Rien de bon. Donc, mercredi, on va chasser. On va remettre ça. Il y a la présence sanglier, mais aujourd'hui, on les avait pas, quoi. Mais c'est pas bon. Les chiens, ils ont pas couru. Je suis pas content. Ils... Voilà. Donc, mercredi, on va remettre ça. On va essayer de faire quelque chose, quand même. Voilà. Donc, la fin du week-end, on va aller boire un coup ou deux. Et puis on se dit donc à mercredi pour un nouvel vlog. J'espère que les vlogs vous plaisent. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà. Laissez-moi un like et abonnez-vous pour les prochains vlogs. Allez, bisous chiens, ciao.